Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis Françoise Lichière, conseillère municipale en charge du droit des femmes à la ville d'Avignon. Et au nom de Madame le maire, je vous accueille dans notre superbe salle des fêtes de notre hôtel de ville. Et je vous souhaite la bienvenue. Et j'espère que ce débat va bien se passer. Il sera animé par Maud, dont on a l'habitude des performances en matière d'animation de débat. Je donne la parole à Muriel, qui représente le bureau du Parlement européen à Marseille. Merci, Madame Lichière. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. Donc, nous voulons aussi remercier tous les partenaires avec qui nous avons travaillé pour organiser le débat de ce soir. La ville d'Avignon, le centre d'information sur le droit des femmes et des familles, le planning familial de Vaucluse, le préfet de Vaucluse et le mouvement européen Vaucluse et environ. Avant de vous présenter les oratrices de ce soir, quelques mots sur notre bureau du Parlement européen à Marseille. Son objectif est notamment de rapprocher le Parlement européen et les députés européens des citoyennes et des citoyens, des associations, des autorités locales comme des médias. Nous guidons aussi les citoyennes et citoyens qui ont des questions sur le Parlement européen, les députés et les activités législatives. Nous organisons des rencontres avec des jeunes et diffusons des informations sur l'Europe auprès des lycées, qu'ils soient membres ou non du programme École Ambassadrice du Parlement européen ou via le programme Euroscola. Et si vous désirez vous engager sur l'Europe et apprendre plus sur ce sujet, vous pouvez aussi vous inscrire sur la plateforme ensemble.eu, c'est écrit là-haut, et vous recevrez des informations et vous pourrez organiser vous-même des événements, des débats, et nous vous appuierons pour cela. Donc, j'ai le plaisir ce soir de vous inviter, de vous présenter nos 6 invités. Alors, en commençant par les députées européennes, Madame Gwendoline Delbos-Corfil, qui est du groupe des Verts, de l'Alliance Libre Européenne. Madame Sylvie Guillaume, députée européenne aussi, groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen. Va arriver Irène Tolleré, du groupe Renew Europe. Elle va arriver, elle a envoyé un SMS. Ensuite, vous avez Ghislaine Dejean, qui est vice-présidente du planning familial de Vaucluse. Sophie Boulet-Gercourt, directrice du centre d'information sur les droits des femmes et des familles, Vaucluse. Émilie Goumet, déléguée aux droits des femmes et à l'égalité, préfet de Vaucluse. Je passe donc la parole à Maud Fontanelle, qui est conseillère conjugale et familiale au planning familial de Vaucluse, qui va animer ce débat et vous en indiquer l'articulation. Bonne soirée. Merci. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce débat santé et femmes, quelle approche européenne. Le débat va être découpé en 3 axes afin de mieux répondre à ces questions quant aux droits et à la santé des femmes. Un premier axe dressera l'état des lieux, quelle est la situation actuelle en Europe. Une deuxième partie permettra de se pencher sur les enjeux d'une Europe égalitaire. Et enfin, un troisième axe sera l'occasion d'évoquer des pistes de réflexion et des recommandations pour une Europe féministe. L'objectif de ce débat, c'est d'échanger ensemble avec les députées européennes, avec les représentantes des associations de terrain ainsi que de la préfecture de Vaucluse et avec vous, le public, dont vous n'hésitez surtout pas à me faire signe, à nous faire signe quand vous souhaitez prendre la parole. C'est l'objectif de cette rencontre ce soir ensemble. On débute donc notre débat avec cette première partie dédiée à l'état des lieux. Dans un contexte dramatique de guerre en Ukraine, de montée des extrémismes en Europe, où les droits des femmes et des personnes LGBTQIA+ sont attaqués, de crise sanitaire qui a drastiquement fait reculer les droits des femmes, quel état des lieux vous dressez aujourd'hui quant aux droits et à la santé des femmes en Europe ? Qui veut commencer d'entre vous, chez vous, les députés, peut-être après les associations de terrain, quel est l'état des lieux que vous dressez aujourd'hui ?
Ça va être un état des lieux mitigé. Alors, je pense que ça se sait, il y a deux États membres de cette Union européenne, la Pologne et la Hongrie, où l'état général de dégradation des démocraties, des droits et des libertés est extrêmement dégradé, pour ne pas dire, dans le cas de la Hongrie, on parle aujourd'hui d'autocratie, hein, réellement. Et dans les deux cas, les femmes sont une des cibles du gouvernement et de la manière de rendre silencieuse une société par ces gouvernements. C'est beaucoup plus fort en Pologne où effectivement une idéologie réactionnaire, extrêmement conservatrice, d'un catholicisme anti-droit des femmes très fort est à l'œuvre depuis le début, donc depuis l'arrivée au pouvoir de cette coalition menée par un parti vraiment très très conservateur. Donc depuis 2015, les femmes sont depuis le début vraiment la cible particulière de ce gouvernement et l'ennemi de l'intérieur, et ça s'appuie sur une idéologie, évidemment. Alors on est très au courant souvent de la situation de l'avortement, ça va beaucoup plus loin que ça, hein. C'est tous les droits sexuels et reproductifs qui aujourd'hui sont interdits à beaucoup de femmes. Il y a des soucis sur la contraception, il y a des soucis sur l'information, etc. Et puis, il y a des femmes qui, très courageusement, quasiment toutes les semaines, marchent silencieusement, et elles sont tabassées, harcelées, gazées lors des manifestations, mais les leaders seront même poursuivis dans tout le pays. Il y a des femmes aujourd'hui qui changent d'adresse régulièrement, qui ne vivent pas toujours au même endroit, etc. Et puis, pour finir, et ça, je crois que ça se sait aussi, il y a aujourd'hui des femmes qui meurent en Pologne à nouveau de l'avortement. Et elle meurt, attention, hein, je ne voudrais pas que je sois méprise sur ce que je pense. Je pense que l'avortement est un droit dans toutes circonstances. Mais en plus, aujourd'hui, en Pologne, il y a des femmes qui meurent simplement parce qu'elles ont un enfant malade et que le temps que les médecins refusent de soigner, puisqu'aujourd'hui, on n'a même plus le droit d'avorter une femme qui a un enfant mort en elle. Et donc, il y a septicémie et en quelques heures, elle meurt. Donc, on n'a même pas une possibilité souvent de... Voilà. Et il y a des médecins qui savent très bien qu'ils ont en face d'eux une femme qui est en train de mourir. Et comme ils encourent des peines de prison, ils n'agissent pas. Donc, on est arrivé à une situation extrêmement dramatique en droit des femmes en Hongrie, en Pologne, je veux dire. En Hongrie, les femmes sont une des dernières cibles. Il y a eu pendant très longtemps les migrants. Il y a eu pendant très longtemps les LGBTI. Bon, il y a eu tous les activistes et les journalistes qui s'opposaient au pouvoir de manière générale. On est aujourd'hui à un moment où les femmes deviennent aussi vraiment une cible. Mais dès le début, c'était quand même une des manières du gouvernement d'avoir une société qui obéit. Et ça avait commencé notamment par une grande attaque contre toute l'éducation de genre qu'il pouvait y avoir. Voilà. Ça, c'est le côté très, 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 très négatif. Il y a aussi un État qui, il y a quelques années, vous le savez, l'Irlande peut-être a changé de position. Donc ça, c'est du mieux. Et puis globalement, par exemple, si on parle du Parlement européen, c'est-à-dire des représentants des citoyens, c'est-à-dire nous, les députés, élus dans tous ces pays, pas les gouvernements, mais ceux qui sont élus au moment des élections européennes, par ses citoyens, il y a un changement. Pendant très longtemps, le moindre texte sur l'économie, sur la santé, sur les affaires internationales, qui comportait une phrase, même pas qui parlait d'avortement, mais qui parlait de droits sexuels et reproductifs, pouvait ne pas être voté par le plus gros groupe du Parlement, le groupe de droite conservateur. Voilà, qui représente la droite de tous les pays. Aujourd'hui, dans ce groupe-là, il y a des femmes qui se déclarent féministes et nos textes passent. Et puis, il y a même récemment un texte important qui est passé sur précisément le droit à l'avortement. Donc voilà, on est un peu là-dedans. Sur la question de la violence faite au genre, on a aussi des textes et on a une prise de conscience de plus en plus forte. Sur la question des inégalités, on est encore très loin parce que, de manière générale, nos pays sont très inégaux. Donc voilà, le constat est assez mitigé. Mais je pourrais beaucoup parler, donc je vais m'arrêter là et je vais laisser Sylvie dire d'autres choses. Oui, tant qu'à faire, compléter. Merci et bonsoir à vous toutes et tous. Alors, je dois avouer qu'on ne vous voit pas, voilà, parce qu'on a des projecteurs extrêmement forts, donc vraiment, ne nous en voulez pas, mais on est un peu dans le why complet là, depuis ici, je le précise pour tout le monde. Pour compléter aussi un peu ce que disait Gwendoline, moi, je pense qu'il y a eu, il faut revenir
quand même sur cette période de la pandémie, parce que je pense qu'en France et en Europe et dans le monde, elle a eu des effets extrêmement importants sur la vie des femmes. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais le problème, c'est que ça continue et qu'un certain nombre d'effets perdurent encore maintenant. Et je pense que très sincèrement, ça a agi sur la question des inégalités et ça a agi sur la question des violences. Inégalité vis-à-vis de l'emploi, vis-à-vis de ce rapport entre la vie privée et la vie professionnelle, quand vous entrez dans un système de télétravail, indépendamment de l'avantage que cela représente et que ça a pu représenter pour beaucoup d'entre nous, eh bien, il y a à un moment donné un effacement de la frontière entre vie professionnelle et vie privée. Et quand les tâches matérielles sont encore, quoi qu'on en pense, et malheureusement, je l'ajoute, encore beaucoup sous responsabilité des femmes, le télétravail a créé objectivement des difficultés supplémentaires chez beaucoup d'entre les femmes. Et puis, n'oublions pas, moi j'ai trouvé que c'était un phénomène extrêmement choquant et qui a été repéré un peu trop tard de mon point de vue, c'est la hausse des violences justement due à ce confinement, due à l'enfermement, due à cette absence de liberté, même si après, voilà, je ne critique pas le fait qu'on ait eu recours à ce genre de choses, mais les effets ont permis certainement à une hausse très très forte, non, je le retire, le certainement ont permis une hausse des violences assez forte. Cela s'ajoutant à toute l'insécurité financière, le travail partiel contraint, bref, ce que nous savons tous ici et que peut-être je ne vais pas lisser à ce stade puisqu'on y reviendra certainement, mais voilà, un ensemble quand même de choses très importantes vis-à-vis de la question de la pandémie. Et puis temporellement, je veux quand même dire un mot de ce qui se passe en Europe, aux portes de l'Union européenne, mais en Europe, avec cette guerre déclarée par Vladimir Poutine contre les Ukrainiens et contre les Ukrainiennes et contre les enfants ukrainiens. Avec, vous l'avez bien entendu tous vu, je n'ai pas à le décrire, ces longues colonnes de femmes et d'enfants qui partent, puisque les hommes restent en Ukraine. Et parmi tous les qualificatifs qu'on pourrait poser vis-à-vis de cette crise et tous les éléments qu'on pourrait développer. Moi, il y en a un que je veux vraiment signaler devant vous pour vraiment le mettre un focus dessus, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on perde trop de temps et pour se dénoncer et pour agir, c'est la question du trafic. Il y a objectivement de la traite d'êtres humains aux frontières et avant les frontières, avec des réseaux qui profitent de la vulnérabilité des femmes et des enfants sur place. Quand on fuit son pays avec une petite valise et un doudou pour les enfants, on est d'une vulnérabilité extrême et des réseaux se sont mis en place. Donc il y a une réaction déjà qui existe avec des réseaux, d'autres types de réseaux, des réseaux favorables et positifs qui s'occupent au nom de la Commission de surveiller ce dispositif. Mais j'aimerais bien qu'on puisse prendre, je lance aussi l'appel aussi à Gwendoline et à son groupe, qu'on puisse peut-être prendre une initiative pour interpeller la Commission sur ce sujet particulier, parce que ce sont des gens qui vont disparaître dans la nature, qu'on ne reverra plus ensuite. Et donc je trouve ça extrêmement grave et je voulais mettre un rayon sur ce sujet. Voilà, je m'arrête là pour ne pas être trop longue. Merci beaucoup. Ghislaine Dejean, du planning familial, est-ce que tu veux réagir sur effectivement cet état des lieux des pays qui peuvent nous inquiéter, enfin des situations dans des pays qui peuvent nous inquiéter, ou bien à l'inverse des avancées qu'il faut saluer, notamment dans notre pays? Pardon. Oui, merci de vos explications. Alors c'est un peu compliqué pour nous qui sommes sur le terrain en France d'aller évidemment vers un état des lieux européen, mais vous avez pu le faire. Merci, je vous en remercie. Je m'associe à vous aussi parce que j'ai énormément l'estomac serré, comme je crois beaucoup de femmes, lorsque je vois la situation
qui se dégrade de jour en jour en Ukraine. Et je pense que ça nous donne une grande leçon d'humilité, de se dire qu'il est temps qu'effectivement on fasse cette grande Europe ouverte et qui prenne en compte les droits humains et bien sûr aussi les droits des femmes. Moi, je voudrais un petit peu intervenir sur la santé, donc sur l'IVG, puisque dans la majorité des États membres, il y a quand même de nombreuses disparités dans la législation. Moi, j'ai noté que au Portugal, l'exemple du délai légal d'avortement allait de 10 semaines au Portugal à 24 semaines en Angleterre. Donc, c'est énorme et je pense que c'est bien difficile Oui, l'Angleterre, ils ne sont plus avec vous. Mais quand même. Et puis, vous avez parlé de la Hongrie, de la Pologne. Moi, j'ai noté aussi que l'IVG continuait d'être interdit, donc pénalisé également. En Irlande, à Chypre, à Malte, etc. Il y a encore d'autres pays que je dois oublier, je pense. Et qu'il faudrait vraiment faire suffisamment de lobbying pour que ces pays se mettent en ordre de réflexion et de prise en compte du choix des femmes, comme nous en France, nous essayons de faire en sorte que ce choix soit le plus large possible. Donc, tu parlais d'avancée. L'avancée pour nous, ça a été en France le délai légal qui est passé de 12 à 14 semaines. De l'IVG. Oui. Et qui, bien sûr, permettent ce choix aux femmes, puisque on sait que pour parler de nos actions de terrain, nous au planning, les femmes quand elles viennent, il y a celles qui sont décidées, qui n'ont pas besoin de réfléchir longtemps, elles veulent mettre le protocole de soins en place. Et puis il y a aussi toutes ces femmes que l'on reçoit qui ont besoin d'informations, de connaître toutes les possibilités, de réfléchir, parce que c'est un acte important dans la vie d'une femme, et qui donc après se trouve confrontée à ce qu'on appelle nous les délais techniques, puisque il y a quand même en France de grandes difficultés pour obtenir des rendez-vous rapides, on manque de médecins, on manque de personnel soignant, etc. Et ce que l'on réclame, nous, c'est que, la loi est passée sur un délai qui est passé à 14 semaines, mais il faut, pour la mise en place, qu'il y ait suffisamment de personnel. Je pense que garantir l'accès à l'IVG dans tous les pays, en particulier en Europe, c'est respecter l'autonomie des femmes et leur offrir les conditions d'un choix libre et éclairé, un choix de son corps, de ce qu'on veut en faire. J'aimerais aussi intervenir sur une autre dimension qui est, j'avais noté, sur l'inégalité existante et la sous-représentation des femmes dans les essais cliniques et dans la recherche. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, l'absence d'intégration du genre dans les programmes de recherche et les politiques de santé publique fait que, on le disait tout à l'heure, je crois que c'est avec Françoise Lichel, les femmes sont différentes, on réclame l'égalité, mais nous sommes différentes. Et il me semble important que l'Europe fasse ce constat que c'est toujours par rapport au masculin
et non pas au féminin, que les recherches sont en particulier dans le traitement de plusieurs maladies, je pense aux maladies cardiovasculaires, au cancer, etc. Et je pense qu'il est, il faudrait un plan d'action européen pour la santé des femmes et prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner et en faire un enjeu de santé publique. Bon, je vais arrêter là parce que je pourrais développer encore plus. Sur les avancées, pour juste compléter ce que tu dis, Ghislaine, par rapport au délai quant à l'IVG, on peut noter aussi, évidemment, enfin l'interdiction des thérapies de conversion et la PMA pour toutes. Oui, oui, oui. Sophie. Tu m'as volé ma... Alors, il faut bien utiliser le micro quand on parle parce qu'il y a aussi des personnes qui nous suivent en ligne. Sûrement des millions de gens, d'ailleurs, nous suivent en ligne. Des dizaines de millions. Dis-le. Mais prends le micro. Juste rajouter, parce que Maud en parlait, par contre, la clause de conscience n'a pas été votée, donc voilà, on se retrouve toujours avec la difficulté d'avoir des médecins qui acceptent de pratiquer des IVG. Merci Ghislaine. Alors on laisse Irène Toleré s'installer. Bonjour et bienvenue. Et on donne la parole du coup à Sophie Boulet-Gercourt, la directrice du CIDFF, le Centre d'information des droits des femmes et des familles d'Avignon, du Vaucluse. Eh bien, bonjour. bon, je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Je ne reviendrai pas sur l'IVG. Effectivement, je voulais noter aussi quand même l'avancée significative de la PMA pour toutes en France l'an dernier. Je voulais revenir, moi, c'était sur les problèmes d'inégalité, effectivement. Et donc, c'est très disparate entre les pays. On voit qu'il y a vraiment des grandes dimensions. Et sur la crise sanitaire qui a fortement touché les femmes, on le sent. Nous, sur le terrain, on le sent. On accompagne un public de femmes. On a environ 75% de femmes qui viennent chez nous sur tout le public reçu. 60-65% sont en situation de précarité. On voit qu'il y a des tensions naissantes, naissantes maintenant, ça fait quelques temps, parce que le Covid a commencé il y a un moment. Mais voilà, on sent qu'il y a vraiment une dimension de précarité accrue. Je voudrais aussi revenir sur les femmes étrangères, puisqu'on intervient également auprès des femmes étrangères dans le point d'accès au droit et à l'égalité qu'on a. Et effectivement, là, c'est pareil, on sent vraiment une tension, mais une grosse tension grandissante. Donc on s'attend, alors avec l'Ukraine, je n'en parle pas, hein, ça on va voir dans les semaines qui viennent comment ça va se traduire. J'avais noté quelques... Et vous, le CIDFF, vous êtes aussi particulièrement du coup mobilisé vis-à-vis des Ukrainiennes? Alors, notre fédération nationale, de toute façon, a rappelé dans un communiqué de presse récent que tous les CIDFF étaient mobilisés pour toutes les femmes étrangères. Donc les Ukrainiennes on se prépare, on en a parlé avec Madame Goumet, on voit avec les associations partenaires, notamment Pierre Valdo sur le département, et on va voir comment on va pouvoir accueillir, ne serait-ce que pour de l'écoute, pour de l'accompagnement administratif et juridique sur toute leur arrivée là. On est en attente. Dans les avancées, je voulais aussi quand même, moi, rappeler la politique espagnole de lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui, quand même, porte un peu ses fruits. Là, au fur et à mesure, on les voit déjà. Et donc, moi, je suis de celles qui prônent le milliard et des juridictions spécialisées. Je voulais également rappeler la précarité menstruelle et la mise à disposition gratuite de protection hygiénique pour les étudiantes en France. Parce que c'est pareil, c'est quelque chose... Bon, nous, on partage nos locaux avec le planning familial. Donc, on a beaucoup de chance, parce qu'on a juste une porte à côté pour toquer et demander pour nos accompagnements si on a besoin. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et puis, je voulais également rappeler en avril 2021 que les relations sexuelles entre un mineur de 15 ans et un majeur ont été considérées comme non consenties, et donc viol présumé. Et ça, encore une fois, ça concerne beaucoup de filles. Et donc, je pense que c'est une belle avancée pour le droit des femmes et la santé des femmes derrière ça. Merci Sophie. On passe la parole à Élodie Goumet sur cet état des lieux pour cette première partie, donc la déléguée aux droits des femmes et à l'égalité à la préfecture de Vaucluse.
Oui, je vais commencer par une petite mise en perspective hein, historique et sur le temps très très long, puisque effectivement, pourquoi on est réunis aujourd'hui à se poser la question des avancées ou des reculs sur la santé des femmes dans l'Union européenne, c'est parce que de tout temps, les biais genrés ont eu un impact considérable sur la manière dont on a considéré le corps des femmes, sur la représentation du corps des hommes et des femmes. Et ça a eu des conséquences évidentes sur la manière dont on a pu poser les diagnostics, la manière dont on a pu imaginer les traitements et la manière dont on les applique tout simplement. Hein, ça rejoint ce que vous disiez, Madame Dejean, tout à l'heure sur une moindre considération des maladies cardiovasculaires, notamment chez les femmes. Et donc ça, il faut l'avoir à l'esprit. Hein. Les femmes, elles représentent le corps faible, le corps fragile, le corps sensible. La représentation culturelle que l'on a des hommes, c'est la force, c'est la santé. Et nous sommes encore sous l'emprise de ces considérations. Donc voilà pour la mise en perspective. Si j'ai une chose à rajouter sur les avancées derrière tout ce qui a déjà été dit, ce serait parler du plan sur l'endométriose qui vient d'être annoncé, qui est une maladie qui touche une femme sur 10. C'est considérable dans notre société et on commence à s'y intéresser. On commence à se dire qu'il va falloir que la recherche avance, que des professionnels soient formés et que les femmes n'attendent pas des années avant qu'un diagnostic soit posé et qu'elles soient dans une errance médicale sur une maladie qui peut être très 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 invalidante et très douloureuse. Nous saluons d'ailleurs dans la salle l'association Endométriose Vaucluse qui est ici, Manon de Manoletta, qui fait un boulot formidable sur l'endométriose ici, avec qui nous travaillons main dans la main. Nous étions donc en train de parler pour une première partie un petit peu d'état des lieux, s'il y avait des situations dans certains pays qui vous inquiétaient ou à l'inverse des avancées qu'il faudrait saluer. Si vous voulez rajouter quelque chose, on a parlé notamment de la Pologne, de la Hongrie, de la France essentiellement. Merci beaucoup. Ben, alors, on va parler du positif. L'Irlande a légiféré sur l'IVG, c'était bien. Donc, il y a de manière globale au niveau européen, on a plutôt un mouvement qui avance. Cependant, ce mouvement moyen qui avance cache des pays où il y a des gros reculs, point 1. Et deuxièmement, la crise Covid a mis sur la table ce que nous avait dit Simone de Beauvoir en 1949, c'est qu'il suffirait d'une crise économique pour que l'ensemble des droits soient remis en question. Et effectivement, la crise Covid, quand elle est arrivée, il y a tout un tas de sujets qui sont, est-ce que c'est prioritaire ou pas des traitements hormonaux, est-ce que c'est prioritaire ou pas les droits sexuels et reproductifs, la pilule, l'accès à l'avortement. Il y a eu beaucoup de difficultés, pas seulement dans les pays dont vous avez entendu parler, un petit peu partout, parce que ce n'était pas forcément considéré comme des sujets prioritaires, parce que le prioritaire, c'était le sérieux, c'était l'économie, mais je crois que les droits des femmes, ils sont aussi prioritaires que l'économie, en tout cas, je le crois. Ça a aussi permis de révéler un accélérateur sur les violences intrafamiliales, mais je pense aussi on peut parler des violences économiques. Donc les violences intrafamiliales avec les confinements ont fait qu'on a eu beaucoup d'augmentation dans les violences faites aux femmes par leurs conjoints, mais également avec la nécessité d'avancer plus vite sur des dispositifs. Mais encore une fois, est-ce que c'était prioritaire ou pas? Les décisions des politiques étaient pas facile, avoir suffisamment d'opérateurs pour les lignes téléphoniques d'urgence, est-ce que c'était un sujet prioritaire ou pas quand on avait à gérer une pandémie? Donc de façon un peu systémique, on s'est reposé la question de est-ce que les droits des femmes autour de leur santé sont une priorité publique ou pas? Et je voulais aussi parler des violences économiques dans le sens où
quand on a commencé à travailler sur la crise Covid, très rapidement, on s'est rendu compte du chiffre européen suivant qui me désole, c'est que plus un emploi était féminin, moins son niveau de salaire moyen était élevé, plus il était exposé au Covid. Dit autrement, l'ensemble des emplois les plus précaires sont plutôt genrés féminins. Et est-ce que c'est acceptable? Donc, l'état des lieux était plutôt en progrès et la crise Covid nous a mis donc un bon coup de semonce. Donc, quand on a travaillé sur le plan de relance, on a voulu se mettre des outils pour éviter que l'ensemble des efforts qu'on mettait en place soient des accélérateurs de recul, mais soient plutôt des accélérateurs de gains et de consolidation des droits pour les femmes au niveau de leur santé. Le sujet de l'endométriose, c'est le sujet en général de la santé des femmes. Pendant très longtemps, la politique a été faite par des hommes pour des hommes. C'est l'héritage du fait que le droit des votes, ils l'ont eu avant les femmes. Mais également, au niveau de la santé, il y a certaines maladies qui n'étaient pas considérées comme maladies. Avoir des douleurs pendant ses règles, c'était tout à fait normal. Et donc, à un moment donné, c'est aussi important qu'on se donne les moyens au niveau de la santé de s'occuper de manière spécifique de la santé des femmes, mais également de se donner des outils spécifiques quand les femmes sont guéries. Par exemple, dans le plan cancer, on a mis le droit à l'oubli. Les progrès sur les cancers du sein sont tels que, encore heureux, qu'une femme qui est complètement guérie peut faire un emprunt. Et ça, c'était pas le cas, et c'est quelque chose qu'on vient de poser sur la table. Donc, un état des lieux avec des grosses inquiétudes, mais quand même une équipe de eurodéputés qui se battent pour essayer de faire avancer les choses. Merci beaucoup. Sylvie Pierre-Brossolette, la présidente du HCE, du Haut Conseil à l'égalité, disait justement la semaine dernière que la crise du Covid avait fait perdre 36 ans dans la lutte pour l'égalité des genres. Et l'Union européenne, dans sa résolution, a calculé qu'en raison de la pandémie, le retard ou l'interruption des programmes de prévention, donc ce qu'on fait nous au quotidien, entraîneront 2 millions de cas supplémentaires de mutilations génitales féminines et 13 millions de mariages d'enfants supplémentaires au cours de la prochaine décennie. Donc effectivement, ce sont des chiffres qui font froid dans le dos. Sur cette première partie concernant l'état des lieux, est-ce qu'il y a des personnes dans le public qui souhaitent réagir, ajouter quelque chose à ce qui a été dit ? Alors, les données qui ont été données, est-ce par rapport au monde ou par rapport à l'Europe ? C'est ça la question ? C'est par rapport au monde. Au monde dans les 10 prochaines années. En fait, c'est l'Europe qui l'a dit dans sa dernière résolution qu'elle vient de voter. Voilà. Et ça concerne des chiffres mondiaux, effectivement. Oui, Maïté. Alors, on fait passer le micro à Maïté, qu'on connaît bien ici en Vaucluse. Je te laisse te présenter. Maïté Maillet, présidente jusqu'à maintenant du collectif 84 Droits des Femmes, qui rassemble plus d'une douzaine d'associations féministes, associations de droits humains et associations citoyennes, ainsi que des syndicats. Voilà pour la présentation. Ma question était, suite à l'élection au Parlement européen d'une personne, d'une femme qui est opposée à l'existence des droits à l'avortement, comment envisagez-vous l'évolution de ces droits ? Et n'y a-t-il pas quelques risques possibles ? Alors, est-ce que l'une de vous... donc, on parle de la présidente Roberta Metsola, qui effectivement a dit à son arrivée à la présidence qu'elle respecterait la position du Parlement européen quant à l'IVG et que ce n'était pas une question personnelle, mais je vous laisse peut-être le dire mieux que moi. Alors, c'est un pays qui n'a pas encore été cité. Enfin, je crois que vous l'avez cité rapidement, mais c'est Malte. Oui. En fait, Malte, c'est dans les lois une des pires situations, avec une hypocrisie totale, parce qu'effectivement, Malte, vous ne trouverez pas pour Malte de chiffres de femmes qui meurent de l'avortement, vous ne trouverez pas de chiffres de femmes qui se suicident, vous ne trouverez même pas de chiffres a priori de mal-être. Pour vous dire, le système est d'une hypocrisie telle qu'il y a une petite somme prévue au cabinet
dans le gouvernement pour faire voyager des femmes. Donc il y a des femmes qui extrêmement régulièrement partent de Malte et vont se faire avorter dans les pays d'à côté. C'est un pays qui a de l'argent et c'est un pays où c'est pris en charge de manière comme ça complètement hypocrite par le gouvernement et par la société. C'est une histoire absolument dingue. L'autre chose à savoir à propos de Malte, c'est qu'en fait, c'est dans leur protocole d'accord avec l'Union européenne. C'est-à-dire que Malte a fait signer à ses leaders politiques comme à ses députés. Enfin, voilà, c'est un choix qu'ils ont fait quand ils sont rentrés dans l'Union européenne. C'est une des dérogations qu'ils ont demandé. Ils ont dit, nous serons toujours et toujours contre l'avortement et ça ne se discute pas. Et donc, en fait, vous ne trouverez aucun député européen qui ne vote rien sur... Voilà. De même que je vous informe quand même, parce qu'il y a eu un gros focus sur Bobetta Metsola, c'est que la commissaire à l'égalité des droits, la commissaire de la Commission, c'est aussi une femme maltaise, Elena Dalgli, social-démocrate, et elle a fait la même chose, elle vote les mêmes choses. Ce sont deux femmes qui, en réalité, défendent les droits des femmes, mais qui, dans une société encore extrêmement patriarcale, et patriarcale sur plein d'autres sujets, hein, c'est le monde de la patriarchie. Malte, une petite île, en plus, c'est très particulier comme atmosphère, hein, Malte. C'est petit, ils se connaissent tous, c'est quelques familles, c'est assez particulier. Eh bien, effectivement, ce sont des sujets qui restent extrêmement tabous, et c'est très grave. Il est temps que des voix de femmes à Malte, de tous bords, s'insurgent et disent, ça y est, ce sujet est plus tabou. C'est ridicule, c'est absolument ridicule. C'est une société qui vit en plus, il y a aussi beaucoup d'histoires d'argent à Malte, c'est un monde qui vit beaucoup par la spéculation, etc. Donc c'est des gens qui vivent un peu jet set avec cette espèce de truc préhistorique de patriarcat et on est en manque de voix, voilà. Et je crois qu'on a été beaucoup au Parlement à dire à ces femmes, ça suffit, mais moi je l'avais déjà dit à Elena Dalli aussi quand on a voté, j'ai pourtant voté pour elle en tant que commissaire parce qu'elle fait du super boulot, mais ça devient un problème que en plus, c'est un système aussi bipartisan, donc politiquement, c'est aussi très compliqué. Hein. Tous décident qu'avec deux partis, et ces deux partis, effectivement, il y a une position très très dure sur l'avortement. Donc concrètement, au niveau du Parlement européen, ça ne changera rien pour nous. Voilà. Et aujourd'hui, on a des femmes de droite irlandaises et d'un certain nombre d'autres pays, des femmes de droite irlandaises et d'un certain nombre d'autres pays qui sont nos alliés dans ces combats-là contre leur propre groupe. Donc vraiment, je vous le dis, au Parlement, on travaille beaucoup mieux sur ces questions-là. Mais par contre, le fait qu'un État membre est dans cette hypocrisie totale dans l'Union européenne, ça, c'est un vrai problème. À savoir que l'avortement n'est pas une compétence européenne, que pour l'instant, les États y sont globalement farouchement opposés, mais qu'il faut qu'on continue. Il y a eu plusieurs fois déjà des pétitions et des initiatives. Il faut qu'on continue à dire qu'il faut que demain, l'avortement devienne une compétence européenne et que ça ne soit plus possible dans cette Union européenne d'avoir un État qui a des règles telles que celles de Malte. Alors justement, on arrive à cette deuxième partie qui concerne les... Est-ce que je peux juste dire un mot ? Oui, allez-y. S'il vous plaît, sur ce sujet-là, parce que on l'a compris avec Gwendoline, donc Malte, c'est l'enfer sur Terre, voilà. C'est une horreur. Alors, juste, il en faut toujours un dans la ferme. Je fais un peu l'avocat du diable. Alors, je suis parfaitement à l'aise parce que je n'ai pas voté pour Roberta Metsola au moment de son élection. Donc, j'ai vraiment pas de problème du tout avec ça. Mais au moment où ces débats existaient, je me suis posé la question suivante. Qui a posé la question de la position de Antonio Tajani, précédent président du Parlement européen, de Jerzy Buzek, polonais, italien? Qui leur a posé la question sur leur position comme étant pro ou anti-apport? Personne. Jamais personne ne leur a posé la question. Alors, ça n'absout pas la position de Roberta Metsola, qui est une position effectivement individuelle et politique et partidaire probablement, et nationale, mais et qui n'a effectivement, comme le disait Gwendoline, zéro influence sur la nature de la position du Parlement européen. Donc, petit message d'espoir, elle a 42 ans, on peut bosser avec elle de façon absolument parfaite sur plein de sujets, plein d'autres sujets que celui-ci. Je l'ai fait depuis de nombreuses années. Et s'il y a un message d'espoir, il y a des jeunes générations qui existent à Malte. Ils bougent beaucoup, ils sont très mobiles,
ils reçoivent des multitudes de gens de partout de l'Union européenne, puisque comme ils ne vont plus au Royaume-Uni pour apprendre l'anglais en Erasmus, ils vont tous à Malte pour apprendre une langue assez incroyable aussi. Et donc, j'espère, moi, que les générations futures, politiques, associatives, les partenaires de toute nature à Malte, feront progresser les choses. Voilà, c'était la partie positive. Et moi, je rajoute un petit point sur Roberta Metsola, puisque mon groupe politique permet de faire la majorité, donc on peut porter la responsabilité ou pas de son élection. Donc, ça nous a posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc d'abord, Roberta Metsola a gagné l'investiture du parti, du groupe qui allait incarner la présidence. Donc elle a quand même, c'est une candidate légitime, et comme l'a dit Sylvie, avant, on n'avait jamais posé la question à aucun des présidents du Parlement, alors qu'il y en avait plutôt beaucoup qui étaient contre l'avortement. Oui, mais il n'y a pas que eux, hein. Il n'y a pas que lui. Et du coup, donc ça, c'est le premier point. Donc nous, on était très embêtés, et vu qu'on était très, très, très embêtés, on s'est dit, bah, la seule solution, c'est de demander à Roberta Metsola, qui est à côté de ça une collègue qui est super. C'est vraiment une femme qui est très engagée sur l'état de droit. C'est une jeune femme, donc sur les sujets LGBTQI, elle est quand même top, et Malte est top. Et donc, on lui a demandé de s'engager. On lui a demandé de s'engager de plusieurs façons. Donc, il y a eu une interview dans le Figaro où elle a été très, très claire sur le fait que ses opinions individuelles n'étaient pas les opinions qu'elle porterait en tant que présidente du Parlement, ce qui est à peu près ce qu'on demande à un élu, en fait. Et deuxièmement, dès la conférence de presse, moi, j'ai été rapporteur pour mon groupe politique d'un rapport qui s'appelle le rapport Matic, qui dit textuellement que le droit à l'avortement est un droit sur lequel tous les États membres doivent se débrouiller pour le rendre légal et avoir les budgets nécessaires pour que ça ne soit pas une politique en l'air, mais une politique avec un droit à l'accès à l'avortement réel. Ce rapport Matic a été voté en juin, et donc c'est la position du Parlement de manière extrêmement claire. Et Roberta Metsola, dès son investiture à la conférence de presse, on lui a posé la question sur « allez-vous mettre en place le rapport Matic ?» et elle a dit « c'est la position du Parlement, donc c'est la mienne ». Ça veut dire que oublions le passé de Roberta Metsola, travaillons avec elle pour faire avancer l'avortement dans tous les pays, et y compris Malte. Et en tout cas, nous, c'est ce qu'on va essayer de faire. Merci beaucoup. Je suis désolée. Non, mais je trouve que c'est très intéressant ce que vous êtes en train d'entendre, parce que moi non plus, je n'ai pas voté pour Roberta Metsola. Mais il va falloir qu'on avance, mesdames. Oui, mais c'est juste pour dire comment ça a été un moment de... Moi, j'ai très, très mal vécu ce débat sur Roberta Metsola, que j'ai trouvé d'une misogynie crasse. Voilà, je le dis. Je veux dire, encore une fois, hein, même le Parti Vert, vous voyez, pour ne pas faire de langue de voix, même le Parti Vert à Malte est un parti qui n'a pas l'avortement dans son programme, alors que c'est un des fondements des partis verts dans l'Union européenne. C'est pour dire, voilà. Et cette femme, on ne lui a pas posé de questions sur l'économie, alors qu'elle représentait un parti conservateur qui a des lois sur la précarité et sur l'inégalité, il y aurait beaucoup de choses à dire. On ne lui a posé aucune question sur plein de sujets cruciaux. C'est la seule question qu'on lui a posée tout le long. Et il faut qu'on fasse attention à ça, à ne pas reporter sur des femmes des fautes d'une société et d'un monde patriarcal. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, du coup, nous arrivons aux enjeux, justement, pour cette deuxième partie du débat. Quels sont, selon vous, les enjeux prioritaires, justement, pour la santé et les droits des femmes en Europe? Alors là, je laisse la parole libre. Qui veut commencer? Les associations de terrain, la préfecture, les députées européennes. Quels sont, pour vous, les enjeux prioritaires? S'il y avait une mesure à faire, laquelle? On en a bien parlé, là. Un peu d'avance. Hop. Alors, Élodie Goumet pour la préfecture. Écoutez, moi, spontanément, je dirais qu'un des enjeux très, très importants, c'est l'éducation des jeunes et des adultes aussi, hein, à la vie affective et sexuelle. C'est le fondement d'une société saine.
avec des implications en termes de santé évidentes, avec des implications sur l'existence ou non de violences ultérieures entre les hommes et les femmes, entre les couples. Ça paraît une évidence aujourd'hui, on a peut-être l'impression d'être bien informé, mais je pense que les associations pourront en témoigner, hein. On est très 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 loin du compte et il y a encore énormément à faire. Alors oui, Sophie Boulay-Gercourt du CIDFF. Excuse-moi. Oui, on est effectivement, on y a encore beaucoup à faire. Moi, j'insisterai également sur l'accès au droit et un travail de donc l'accès au droit en général, mais au droit à la santé aussi, avec un service de proximité à faire toujours plus. On a beaucoup, de plus en plus d'invisibles, ce qu'on appelle les invisibles sur le terrain. Donc des gens très éloignés de tous les dispositifs, qui ne connaissent pas leurs droits, qui ne savent pas qu'elles peuvent avoir différents dispositifs à leur disposition. Oula, excusez-moi pour la redondance. Après, je reviendrai effectivement sur la prévention et un travail d'éducation à faire et dans l'ensemble, en fait, renforcer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qui est vraiment, pour moi, une priorité. Voilà. Bon, après, je rappellerai que l'égalité est un plan de santé en soi. Merci Sophie. Ghislaine Dejean du planning familial. Que dire de plus ? Effectivement, moi je ne peux que m'associer à ces propositions. Moi j'avais noté qu'il me semblait important les enjeux, c'était l'égalité que l'on mette vraiment les enjeux sur l'égalité des genres hein, au cœur du système économique lui-même. On s'est posé à un moment la question sur la place des femmes. Quelle place au niveau européen quelle place justement ont les femmes dans les négociations, quelles qu'elles soient, quand on veut faire avancer justement cette égalité, ces droits des femmes. Là, vous m'avez un petit peu scotché avec l'histoire de la présidente. Là, ça me gêne beaucoup ce que vous avez entendu. Je comprends très bien. Hein, et je me dis mince, alors on en est encore là. Et c'est grave. Je pense que justement il faudrait vraiment qu'on insiste beaucoup là-dessus parce que les femmes, c'est la moitié de l'humanité. Hein, donc, ça va, quoi. Il va bien falloir quand même qu'on leur laisse de la place. 52% même. En plus, on a la majorité. Moi, au niveau de l'enjeu pour la santé et les droits des femmes dans notre union, pour moi, j'en vois deux. Un premier, c'est d'avoir des budgets à la taille des politiques publiques qu'on met en place. Parce que parfois, on travaille beaucoup sur le législatif et on oublie la mise en place et on oublie de contrôler la mise en place. Et là, il y a une faiblesse. Et il y a non seulement une faiblesse, mais il peut même y avoir une rupture d'égalité. Typiquement, on l'a vu avec la période Covid, on a fait le télétravail. Le télétravail... Pourquoi les femmes devraient s'occuper de leurs enfants en faisant du télétravail ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Pourquoi elles doivent avoir cette charge mentale-là ? Donc ça veut dire d'avoir des outils qui permettent aux femmes de télétravailler sans avoir leur enfant et donc avoir des outils de garde, mais il n'y a pas assez d'infrastructures financées de manière générale pour tout ce que l'on appelle le care et les petits enfants dans notre union. Donc d'avoir des budgets à la hauteur des politiques publiques, parce que souvent on parle de l'égalité le 8 mars, hein, et puis après on attend l'année d'après, on fait plusieurs séminaires, mais on veut le milliard ou 10 milliards ou un truc, on veut des budgets à la hauteur des enjeux publics. Et alors après, l'autre truc, je ne suis pas du tout une féministe comme ça, cependant, au niveau de la gouvernance, je pense qu'on peut mieux faire. Je pense franchement qu'on peut mieux faire. Ça me fatigue de voir à quel point on a des gouvernances masculines. On parle d'égalité féminine, mais dès qu'il y a des gros postes à responsabilité ou des gros partis à diriger, il n'y a que des hommes, et excusez-moi, en plus de 50 ans.
On n'a pas des jeunes hommes en plus. Hein. Puis alors, on n'a pas des membres de la, de la communauté LGBTQI non plus. Hein. Donc je trouve que si on veut faire avancer l'égalité, il faut aussi avoir des gens qui, dans leur vie, ont une petite idée différente de, du patriarcat, de comment faire avancer l'égalité. Et ça, je pense que c'est l'autre enjeu très important. Ce n'est pas de la revendication, c'est du bon sens. Dit quelqu'un dont la délégation est l'idée par deux femmes. Donc, quand même, sa délégation est chapeautée, enfin, présidée par deux femmes. Donc, il y a aussi des choses, des éléments qui sont tangibles. On en a parlé à l'instant, la présidente du Parlement est une femme, la présidente de la Commission est une femme, le président de la BCE est une femme. On ne peut pas dire que ce n'est pas des postes un peu à responsabilité. Mais tu as raison, hein, je crois que c'est un mouvement et je crois que c'est... les rôles modèles, c'est très important, mais ça ne solde pas les comptes pour toute la population qui va avec. Donc tu as raison sur ce côté, mais il y a quand même des choses qui progressent. Sur cette dimension... enjeux sur la santé. On a parlé tout à l'heure de l'endométriose. Je l'avais noté dans les sujets sur lesquels il fallait, je pense, revenir. Et je ne sais pas si c'est déjà prévu, mais sincèrement, on a déjà mis beaucoup de temps pour arriver à identifier en France et à mettre en perspective à la fois de la prévention et des actions sur ce sujet. Je pense qu'il faut qu'on essaye de ne pas perdre trop de temps au plan européen sur ce sujet. Et si la dimension de l'Europe de la santé a commencé à voir le jour et continue de voir le jour et de se renforcer, je pense que la santé des femmes et ce sujet-là aussi pourrait faire partie de recherches au plan européen pour bien identifier et puis aussi lever un certain nombre de tabous ou d'évitements liés à cette maladie. Je me disais que puisqu'on a eu un rapport excellent qui est sorti il y a peu de temps sur le cancer avec plein de propositions très, très bien menées, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas justement, s'agissant des cancers féminins, quelque chose qui soit contenu, qui fasse l'objet de recherches, là aussi, de soutien et dans le domaine de la prévention, je crois que c'est très très important. Pour ça, effectivement, tu as raison Irène, il y a besoin d'avoir de l'argent, il y a besoin d'en avoir au plan européen, comme il y a besoin d'avoir du soutien avec des lignes budgétaires qui viennent aider les associations locales. Je me disais aussi qu'en termes de santé, il faut avoir en tête, je voulais en parler tout à l'heure, j'ai oublié, mais il y a quelque chose que je trouve très préoccupant aussi, et les confinements a aussi renforcé cela, c'est aussi le harcèlement sur Internet avec les problèmes de santé mentale que cela peut générer. Je crois que la santé mentale en soi, dans la population générale, est une problématique sur laquelle il faudrait qu'on soit beaucoup plus actif. Et s'agissant du cyberharcèlement spécifique des femmes, qu'il s'agisse d'un harcèlement sur le net, mais qui après peut se traduire dans in real life, comme on dit, dans la vie réelle, je pense que c'est un sujet en soi. Et je m'étais aussi noté, évidemment, mais on y reviendra peut-être de façon plus massive, sur la question des violences qui constituent en soi une problématique sur laquelle on pourra revenir et sur laquelle il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Voilà, quelques suggestions. Merci. Alors, toutes les mesures qui ont été dites, elles font sens. Moi, j'avais une proposition qui permet un petit peu la solution miracle. Irène me rejoindra parce que nous venons d'avoir un rapport sur la question. Je pense que simplement, aujourd'hui, penser l'approche genrée des politiques publiques, c'est la solution à beaucoup, beaucoup de nos questionnements. Il y a la question de la représentation et c'est pas simplement parce qu'on est 52% et que du coup, quand on est que le Parlement européen, c'est 39% de femmes, mais la plupart des parlements nationaux dans l'Union européenne, c'est 30% de femmes. C'est pas juste une histoire de représentation, c'est parce que du coup, effectivement, les politiques publiques sont pensées par des hommes et que ça a une influence immense sur les politiques publiques et sur les inégalités en termes d'utilisation de l'argent public. L'argent public va massivement aux hommes et on s'en rend souvent assez peu compte. Voilà. Et donc, l'exemple a été donné, hein, les plans de relance, c'est des plans de relance qui vont financer l'aéronautique, la mobilité, les nouvelles technologies qui sont des secteurs massivement masculins. Il y a un secteur qui n'a pas du tout été financé par ces fameux plans de relance de l'Union européenne qui vont se développer dans tous les États.
c'est le CARE. Et pourtant, le CARE, pendant le Covid, il a été essentiel. Et le CARE, sur la question de la santé et de l'accompagnement des gens. Donc, c'est un exemple parce qu'effectivement, comme c'est des hommes qui pensent les voilà. Et le partage des tâches, il est très important. Hein. Les hommes ont les gros dossiers climat, les gros dossiers agriculture, les gros dossiers, voilà. Elle parle souvent de l'agriculture, Irène, et sur le fait qu'aujourd'hui, on ne pense pas les femmes dans l'agriculture, voilà, parce que c'est des hommes qui tiennent ces gros dossiers-là et qui pensent ces gros dossiers. Et ça a des vraies implications sur les politiques de santé. Vous l'avez dit un peu plus tôt, les tests, la pharmacopée, tout ça, c'est tout fait tester sur des hommes. Donc, un certain nombre de choses ne sont pas prises en compte dans nos réactions physiologiques de femmes. Mais ça va être les violences obstétricales qui n'existent pas pour les hommes. Ils ne savent pas. Les hommes sont des gynécos et ils ne subissent jamais. Donc, etc. Les cancers qui sont moins pris voilà. Donc, toutes les données montrent qu'à chaque fois... Voilà. Et je rajouterai deux choses sur cette approche genrée. C'est qu'il faut aussi qu'elle soit intersectionnelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut penser qu'il y a des femmes qui sont... encore plus en fragilité que d'autres. C'est les femmes migrantes, c'est les femmes pauvres, c'est les femmes LGBTQI, c'est les femmes handicapées, femmes qui subissent d'énormes violences qui sont complètement invisibles et silencieuses. Et puis quand on dit genré, on dit bien pas égalité droit femmes-hommes. On le pense comme ça, nous, au Parlement européen. Je sais qu'en France, ça fait encore titiller, mais c'est genré, ça veut dire... Voilà, c'est aussi parce que le genre, c'est pas défini dans des cases. On est une femme à tout prix, on est un homme à tout prix, c'est plus compliqué que ça. Sophie, vous voulez dire court, tu voulais réagir, je crois. Oui, enfin, je voulais juste... Donc, je trouve ça chouette que les gouvernances se féminisent un petit peu. Le Covid a montré quand même que toutes les instances qui ont été mises en place pendant le Covid, ou les task forces comme le conseil scientifique, c'était... voilà, hein, plus de 70% masculin, et il n'y avait pas de gouvernance de représentation féminine. Et effectivement, je voulais revenir sur les plans de relance. Alors... le plan de relance français, je crois que c'est 7 milliards sur 35 qui sont consacrés à des emplois à peu près dits féminins, enfin plus féminins. Et voilà, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes capable, vous, le Parlement, de pouvoir influer sur ces dynamiques, mais ça me semble important de le faire très rapidement. Juste revenir, parce qu'il n'y a pas que le budget sur des métiers féminins dans le plan de relance, il y a aussi les évolutions parce qu'on relance pour préparer une économie européenne plus résiliente et donc peut-être sur des métiers qui sont en cours de formation. Donc les États membres doivent vérifier que l'ensemble des dispositifs, ils doivent regarder l'impact sur le genre. C'est ce qu'on appelle l'égaconditionnalité. J'ai découvert ce mot récemment. Non, ça veut juste dire, typiquement, alors après, il faut que les États membres se saisissent du truc et fassent des propositions. On a certains États qui sont plus rentrés dans la copie que d'autres, je le regrette. Mais par exemple, on dit qu'on veut... les métiers du numérique se développent. Donc, puisque les métiers du numérique se développent, on a besoin d'emplois formés à ces métiers du numérique. Or, les formations de ces métiers du numérique sont à plus de 70% masculines. Donc, c'est-à-dire que le plan de relance, en investissant brutalement sur le développement de ces activités, peut aggraver l'inégalité en faisant que les métiers valorisés des 20 prochaines années soient masculins. Donc, la façon de corriger le tir, c'est qu'on regarde au moment de la formation pour que cet impact genré soit corrigé. L'impact genré aussi qu'on a pu avoir pendant la Covid, typiquement, c'était la garde des enfants. La garde des enfants, c'était OK pour tout ce qui était dans le métier du soin. Mais les agricultrices, elles ont continué à travailler. Or, les agricultrices, elles n'avaient pas accès à la garde des enfants. Donc, c'est des trucs voilà, où, à un moment donné, on a vraiment besoin, comme le disait Gwendoline, d'avoir une lecture où, un peu comme le matin, on se brosse les dents, c'est de l'hygiène. Tiens, j'ai une politique publique. Si elle avait un impact genré, quelle forme il aurait? Et à partir de là, est-ce que je suis en mesure de chiffrer le nombre de personnes, l'impact? Si je ne suis pas en mesure, je demande à avoir des études d'impact et d'avoir des budgets adaptés. Donc c'est ça, entre guillemets, qu'on demande aux États membres. Donc ce n'est pas que 7 milliards, c'est plus une démarche. Mais certains États membres l'ont mieux saisi que d'autres. Par contre, les députés ont contrôle. Et les plans de relance sont contrôlés par les comités de surveillance des plans de relance au niveau national ou au niveau régional. Donc, il y a certaines personnes présentes ici qui n'arrivent pas.
pas de poser la question de ce qu'on fait pour les femmes. Alors, je voulais juste dire, l'éco-conditionnalité, je veux juste... parce que c'est effectivement dans le plan de relance européen que j'ai trouvé ça. Pour... c'est conditionner l'attribution de fonds publics au respect de règles paritaires pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, en gros, c'est aborder l'égalité en amont des décisions économiques pour ne pas les traiter que, qu'en conséquence, qu'en inégalité. Merci Sophie. Et pour revenir sur ce que vous disiez sur l'intersectionnalité, effectivement dans la résolution de l'UE, l'UE invite, je cite, hein, invite les États membres à lutter contre la discrimination dans les services en matière de santé, de droits sexuels et génésiques, à adopter une approche intersectionnelle pour s'assurer que les femmes et les filles, tant transgenres que cisgenres, les personnes non binaires, les femmes lesbiennes, bisexuelles et intersexuées bénéficient d'un accès égal aux services et aux droits en matière de santé sexuelle et génésique. Sur toutes ces questions des enjeux, est-ce qu'il y a des réactions ou des questions dans la salle ? Il faut faire des grands signes parce qu'on ne vous voit pas du tout. Merci beaucoup. On vous fait passer le micro. Bonjour, merci. Je suis Brigitte Bagnol, je suis anthropologue de la santé. Je travaille sur les aspects de genre. Et quand moi je travaille sur les aspects de genre, je dis dans le domaine de la santé, je dis toujours que les hommes et les femmes sont infectés et affectés de manière différente. Les hommes et les femmes sont infectés par des maladies différentes, à des moments différents du cycle des maladies, par exemple du cycle du Covid, du cycle d'Ebola. Et sont affectées de manière différente parce que, à cause du care, les femmes, chaque fois qu'il y a quelque chose, elles vont être obligées de s'occuper des enfants, de s'occuper des malades. Et ce que je pense qui sont les enjeux, c'est la nécessité de faire des analyses de genre des différentes institutions. Moi, je travaille dans une perspective qui s'appelle une santé. C'est la santé humaine, la santé de l'environnement, et la santé animale, parce que l'on comprend de plus en plus, à cause du Covid, à cause des maladies zoonotiques qui se transmettent des animaux aux êtres humains, on comprend que tous ces aspects sont liés. Donc on fait des analyses de genre de tous ces secteurs. Et ce qui apparaît, c'est que les gens qui travaillent dans ces différents secteurs ne font pas d'analyse de genre, n'ont pas été formés. Le médecin, le gynécologue, l'agronome, la personne qui travaille sur l'environnement, ne sont pas formés sur le genre. Donc, les gens qui ont travaillé ou qui travaillent encore sur le Covid n'ont pas une claire conscience que le Covid va infecter l'homme et la femme à des moments différents. Et on l'a vu au début du Covid, il y avait une majorité d'hommes âgés qui mouraient. Parce que souvent, les hommes vont se consulter et se faire tester beaucoup plus tard. Et c'est lié à la masculinité, cette manière de dire « on est fort, je ne vais pas parce que j'ai un peu de tout, parce que j'ai un peu mal à la tête ». Donc, tous ces aspects-là doivent être pris en considération, doivent être connus, mais ils ne sont pas formés. Le personnel de santé lui-même n'est pas formé. Donc, il y a tout un travail qui est en amont qui doit être fait. Et je suis absolument d'accord avec vous, la nécessité de regarder au niveau de la gouvernance, parce que c'est une catastrophe. Toutes les décisions ont été prises par des hommes sans se rendre compte de l'impact que ça pouvait avoir sur les femmes. Même après, on a mis beaucoup de temps à s'en rendre compte. Et je voulais vous poser une question spécifique. Moi, je travaille sur ce qu'on appelle les budgets de genre. Donc le budget de genre, on analyse les investissements à qui ça va bénéficier. Et ça, c'est extrêmement important comme instrument pour pouvoir définir si tout ce qu'on fait bénéficie les hommes, comme c'est souvent le cas, et comment on peut changer ces aspects. Parce que c'est quand même aussi un instrument très, très fort d'imposer un budget de genre. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage et votre question. Est-ce qu'on prend la question de Manoletta avant et après, on répond aux deux questions ? Bonsoir. Alors, moi, c'est une question
complètement centrée sur notre association. Je voulais savoir comment, au niveau européen, on peut faire reconnaître l'endométriose, puisque clairement, on n'y arrive pas au niveau national. Est-ce qu'il y a une possibilité de passer un petit peu par un raccourci? Merci Manon de Manoleta. Il y avait une question aussi de Sandra, je crois. Du CIDFF 84. Oui. C'est pratique quand on connaît tout le monde. Oui. Alors, s'il vous plaît, on écoute Sandra. Mesdames. Oui, bonsoir. Donc moi, j'avais une question sur les enjeux, évidemment. Je me demandais, comme évidemment sur le futur, ce sont nos jeunes qui vont reprendre le flambeau. Et ma question était pourquoi sur la déconstruction des stéréotypes, déconstruction de genre, parce que l'idée c'est que voilà, on soit à armes égales. Pourquoi dans les écoles on ne parle pas d'égalité de plus en plus tôt? On voit ce qu'on peut aller en primaire, mais à partir du CM1, on touche un peu les CE2. Mais avant, on a vraiment beaucoup de mal à aborder cette question-là. Et alors qu'il faudrait, je pense, et à mon humble avis, commencer de plus en plus tôt. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a une première question qui concerne les budgets, ensuite l'endométriose et ensuite la question de l'égalité des genres dès le plus jeune âge. Qui veut y aller? Vous, Gwendoline, sur quand on parle budget. De l'approche genrée, les budgets genrés sont un des outils évidents de cette approche genrée. En gros, les outils, c'est exactement ce que vous avez dit, hein, c'est les données, c'est récupérer de la donnée. On a aujourd'hui un grand besoin de données, de nous-mêmes se mettre au courant exactement de comment l'argent est dépensé ou de quelle politique publique atteint qui, ou voilà, ou de qui est en charge de quoi aussi, simplement ça. On va faire, nous, par exemple, on a obligé le Parlement européen à faire... à travers notre nouveau rapport, que dans les groupes, ça se discute de qui a les rapports dans les groupes. Ça, je peux vous dire qu'on touche à du très, très sensible dans les groupes politiques. Voilà. Mais parce qu'effectivement, même dans nos groupes à nous, qui sont censés être les groupes progressistes, vous verrez, on a, nous aussi, nos complexités, où les hommes sont toujours sur les sujets un peu forts et structurants. Voilà. Donc, et le budget genré, c'est un des autres outils avec les données, et puis la représentation, la gouvernance. Donc voilà, ça fait, c'est un des outils. Sur l'endométriose, moi, je ne saurais pas très bien vous répondre, mais en tous les cas, ce qui est compliqué, c'est que pour l'instant, les questions de santé ne sont pas des questions de compétences européennes. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est de la préconisation, l'avoir de plus en plus dans nos rapports en termes de sensibilisation, d'alerte, etc., etc. Et c'est quelque chose qu'on fait, mais qu'on devrait peut-être faire plus. Mais par exemple, il n'y a pas de commission santé au Parlement européen, puisque ça reste de la compétence nationale, comme l'éducation, d'ailleurs, à part universitaire. Et donc, pour finir sur l'éducation, on est complètement d'accord. Ça reste un sujet très compliqué. En France en particulier, alors c'est un sujet plus compliqué dans d'autres États. Hein. Aujourd'hui, il y a des États où il n'y a plus du tout, comme la Hongrie et la Pologne, effectivement d'éducation à tout point de vue, avec une ignorance qui se crée qui est très dangereuse pour jeunes filles et pour jeunes garçons. Mais même en France, voilà, là je vais peut-être avoir un désaccord avec Irène, on a un ministre de l'Éducation avec lequel je suis rarement en accord et qui a sur ce sujet-là vraiment une approche extrêmement, à mon sens, conservatrice et rétrograde. Il y a effectivement maintenant de plus en plus dans les pays nordiques, etc., une éducation qui se fait très jeune sur ces questions-là et qui est certainement, mais ça a été dit, hein, je crois que c'est une de vous qui a dit l'éducation, ça peut être un des premiers outils, voilà, qui est probablement la première arme qu'on peut donner à un être humain dans tous les domaines, hein, de toute manière l'éducation, mais particulièrement sur ce sujet-là, on en a vraiment beaucoup besoin. J'aurais pu dire à peu près la même chose, y compris sur le ministre, parce que j'avais en fait mal compris votre intervention. J'avais compris, pour résumer, que ça marchait plutôt bien en France et donc il fallait essayer de faire un fast track. Ah, donc en fait, c'était plutôt l'inverse. Donc, bon, je vais pas qualifier sur la partie française, mais je pense qu'effectivement, voilà, pour vous répondre, à partir du moment, enfin, il faut résoudre l'équation, comme souvent dans l'Union européenne, quand vous avez un sujet qui n'est pas de compétence européenne, pour arriver à le monter très très haut, il faut effectivement passer par des phases qui sont, de mon point de vue, beaucoup trop longues, pour arriver à le mettre dans la lumière. Tout à l'heure, j'ai évoqué cette hypothèse de le mettre dans la lumière parce que c'est le moyen, y compris après, de pouvoir faire ruisseler dans un certain nombre d'États membres. Donc, c'est un processus un peu
subtil, on va dire, mais qui est très très important de ne jamais sous-traiter dans un sens ou dans un autre au plan européen ou prendre national. Je voulais rajouter une toute petite chose parce que je partage évidemment avec tout commence par l'éducation, mais il faut être d'autant plus attentif quand même, parce que je pense pas qu'on l'ait évoqué tout à l'heure. Moi, je trouve quand même que il y a de plus en plus maintenant des espèces de réactions mécaniques hostiles aux droits des femmes et assumées comme étant hostiles. Avant, on pouvait éventuellement, on trouvait tout un tas de gens assez peu fréquentables qui avaient des réactions hostiles, y compris au plan parlementaire sur ces types de sujets, mais il la ramenait pas trop, si je peux me permettre l'expression. Et là, j'ai quand même le sentiment qu'à plusieurs reprises, il y a eu une espèce de totale décomplexion. Non, oui, ça a été complètement décomplexé, je vais le dire autrement, sur un certain nombre de sujets. Et je trouve que voilà, plus on agira tôt contre ce type de réflexe, moins ils seront massifs. Donc c'est important de le faire très très tôt. Moi, je vais juste compléter un tout petit peu. Alors, si je pars de l'endométriose, de façon générale, quand on se regarde en France, on se déteste. Et quand on monte au niveau européen et qu'on se compare, ça va nettement mieux. Donc, je suis certaine que le plan endométriose, il va peut-être pas assez loin, mais au moins, il a posé le sujet, ce qui n'est vraiment pas le cas d'autres pays. Et donc, en fait, un des sujets qu'on a au niveau européen, et ça fait partie d'une résolution du Parlement qu'on a fait, c'est d'essayer de créer un espace pour que l'ensemble de ces sujets puissent exister. Typiquement, au sein du Conseil, nous n'avons pas de formation dédiée à l'égalité, et ça serait quand même une sacrée bonne chose qu'on l'ait pour qu'effectivement, s'il y a un pays qui a une bonne solution pour l'endométriose, qu'il y ait quelqu'un, un espace où ils aient à discuter de ces sujets-là en priorité, et que on puisse... Alors, parce que, enfin, au sein du Conseil... Au niveau de la Commission européenne, c'est-à-dire le gouvernement, on a des commissaires, donc l'équivalent de ministre, et donc on a une ministre dédiée à l'égalité. Au sein du Parlement européen, on a la Commission femmes, où on va parler des sujets d'égalité de genre. Et quand on passe dans la configuration des États membres, le machin qui est présidé par la France en ce moment, là, il n'y a rien du tout. Il y a un conseil spécialisé pour les poissons, mais il n'y a pas pour l'égalité. Et donc, nous, on a demandé... Vous entendez des fois que les ministres des Finances sont voilà. Donc, du coup, l'égalité n'est jamais un sujet prioritaire, puisqu'ils se rencontrent pour parler finances, ils ne se rencontrent pas pour parler égalité, ils se rencontrent pour parler poissons, ils se rencontrent pas pour parler du statut des femmes qui font la pêche ou qui cuisinent le poisson ou qui font la soupe de poisson. Ça oui, je sais. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de formation dédiée, et donc c'est un manque pour qu'on fasse avancer les échanges sur les bonnes pratiques. Voilà, ça c'était le point. Je voulais revenir aussi sur le sujet de l'éducation, parce qu'il y a quand même des choses qui sont faites, et donc je fais partie d'un programme européen qui s'appelle LEADER, qui sont les fonds, c'est une partie d'un fonds de la PAC qui s'appelle le FEADER, et dont un pourcentage, 5%, est gardé pour le développement rural. Et ce sont des groupes d'action très locaux qui décident de ce qu'ils font avec. Et pour le 8 mars, nous avons fait la remise du prix de l'action pour l'égalité femmes-hommes au niveau européen. Et c'est un des finalistes était une petite un groupe de communes françaises dans le Forez, hein, je crois, qui ont proposé tout un système pour dès la maternelle faire travailler les enfants sur l'égalité de genre avec des jeux de rôle et produire un spectacle qui a été fait par les enfants et qui a été mis en avant. Donc si le ministre de l'Éducation nationale ne change pas le programme pour mettre ce truc au programme, de quoi est-ce qu'on parle politiquement? On parle d'avoir un ministre de l'Éducation nationale qui dit « en CP, les garçons vont faire de la couture ». Comment vous dire que je suis sûre que si on fait ça en France, ça va passer crème? Donc, puisque le ministre de l'Éducation nationale
aura sans doute du mal à le faire passer, qu'il ait des cheveux ou pas sur la tête, alors les élus locaux, qu'ils soient dans des zones rurales ou dans les villes, peuvent bénéficier de fonds européens pour monter des petites actions avec tous les parents, les élus locaux, qui permettront de faire en sorte que les petites filles qui veulent devenir astronautes se disent « je peux devenir astronaute » ou les petits garçons qui veulent devenir je ne sais pas quoi le deviennent, et que chacun s'approprie son talent qui n'est pas lié à un genre mais qui est lié à une personnalité. Et ça, on a des fonds européens qui peuvent accompagner. Merci. Une ou des réactions des associations locales, Sophie, du CIDFF ? Oui, je suis désolée, je ne vais pas être très agréable. Mais non, je trouve ça super, il y a des fonds européens qui existent et j'adorerais pouvoir en bénéficier. Moi, par exemple, je suis une association qui n'est pas capable d'attendre 2 ans de trésorerie sur les projets européens. Et c'est un vrai problème parce qu'il y a des moyens, on pourrait mettre des gros moyens en place. Alors, autant pour l'éducation que pour beaucoup d'autres sujets, là, moi, dans mon domaine. Et vraiment, on est un peu... on est pris à la gorge parce que... Et pourtant, je suis solide financièrement, ça va. mais je ne peux pas avancer 2 ans de trésorerie. Donc, s'il y avait moyen d'avancer ça... Ghislaine, du planning, tu veux ajouter quelque chose ? Moi, je voudrais juste ajouter, alors bon, les fonds européens, je sais que c'est compliqué à obtenir, hein, je te comprends tout à fait. Nous, je voulais juste revenir sur l'éducation, effectivement, dès le plus jeune âge, et la déconstruction en particulier des stéréotypes. Alors, nous avons eu la possibilité, au planning, de mettre en place un programme. C'est un programme canadien, pas européen, qui s'appelle PRODAS depuis plusieurs années. Et nous avons eu un financement, nous, de l'ARS pour ce programme qui nous permet effectivement de faire des interventions dès la maternelle. Moi, je vais passer la parole à Maud parce qu'elle... Elle le pratique, c'est elle qui le fait, et elle pourra mieux vous en parler, je pense, que moi. Alors, le PRODAS, c'est le programme de développement affectif et social, et on intervient effectivement dans les écoles maternelles et primaires, dans les quartiers prioritaires de la ville d'Avignon, pour parler avec les enfants et former les enseignants et enseignantes aux compétences psychosociales, et donc notamment l'estime de soi, la réalisation de soi et les interactions sociales. Et donc, nous parlons évidemment, dans ce cadre-là, de l'égalité des genres. Voilà, je fais vite, parce que l'heure tourne. Mais c'est un gros, gros problème. On peut, oui, tout à fait, tout à fait. Il nous reste 10 minutes, parce que je crois que nous avons commencé un tout petit peu en retard. Du coup, je voudrais finir. André, tu avais une réaction ? Oui. Alors, attends, micro. Donc, André Castelli est court. Hein. Je ne prendrai pas 10 minutes, c'est promis. Écoute, Maud. Oui. Bon, je voudrais réagir simplement, gentiment, à l'appréciation qui a été donnée tout à l'heure. 10 ans, vous avez dit que la question de la santé n'est pas une question européenne parce qu'elle relève de chaque nation. Je voudrais simplement noter une chose, c'est que la définition de la santé, elle s'écrit à peu près à 151 langues aujourd'hui, selon la définition universelle de l'OMS. C'est-à-dire que cette définition s'applique aujourd'hui à l'ensemble des nations, vous allez voir pourquoi je dis ça, qui sont reconnus par l'OMS. Ça me permet de dire d'ailleurs que la santé, ce n'est pas l'absence de maladie. La santé, c'est une notion philosophique, scientifique, sociale, humaine, qui est d'ailleurs inscrite dans les rapports d'égalité la définition, c'est l'état de bien-être que vous devez connaître, physique, moral et mental. D'une population. Pourquoi ça me paraît important ? Parce que
Par contre, si la soirée c'était sur la guerre, tout le monde aurait dit oui, oui, on connaît la guerre, ça concerne tout le monde parce que l'OTAN reconnaît la guerre. Voilà. Et donc, je pense que, alors que la guerre, ce n'est pas l'absence de paix. Et que donc, la question fondamentale aujourd'hui, me semble-t-il, c'est quelle définition mondiale nous donnons à la paix. Voilà. Et que ça rejoint aussi la question de l'éducation, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est une approche véritable en termes d'éducation, de comment on apprend la paix et comment on bannit la guerre. Voilà. Mais je pense que ce qui me paraît important, c'est cette question de la santé comme étant vécue, comme une définition qui s'applique mondialement à toutes les populations qui sont sur cette planète et qui, au moins celles, qui sont adhérentes de l'OMS. Voilà. Ça me paraît important parce que sinon, souvent, il y a un peu de la déviance quoi, sur cette question. Alors, je vais juste rappeler, du coup, pour peut-être pour le public ici ou les millions de personnes qui sont en ligne. Alors, sur la résolution de 2021, je cite, l'Union n'a pas de compétences directes pour agir et faire progresser la santé, les droits sexuels et génétiques au sein de l'Union, mais que les États membres coopèrent dans ce domaine. C'est juste pour réexpliquer que effectivement, c'est une histoire de compétences, mais on ne peut pas rentrer vraiment dans ce débat-là, vu le temps qu'il nous reste malheureusement. Ceci dit, ça peut rejoindre aussi une question de pour une troisième, mais une conclusion sur l'Europe féministe de demain. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, puisque c'est un domaine qui appartient aux États? Quelle est la force de l'UE ici, là-dedans, notamment avec la présidence française actuelle? Et pour les associations, à votre avis, quelles sont les recommandations justement pour une Europe féministe? Par exemple, on n'a pas du tout parlé de la Convention d'Istanbul, alors que c'est l'un des axes prioritaires, en tout cas pour nous, les assos féministes. Ghislaine, est-ce que tu veux commencer sur la Convention d'Istanbul? Pas forcément. Alors, micro. Pardon. Simplement, il me semble qu'un certain nombre de pays ne l'ont pas ratifié. Je ne me souviens plus, je les avais notés, mais je les ai perdus dans mes papiers. Et que pour moi, ça faisait partie des préconisations importantes. Sont la Bulgarie, la Tchéquie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie et la Slovaquie qui ne l'ont pas signé. La Pologne va s'en aller. La Pologne aussi. Et la Pologne va sortir en deux. Sort là. Et que j'avais donc noté, bon, moi, qu'il fallait insister sur la ratification de cette convention. Mais j'avais mis aussi que le chemin était très difficile, était sûrement très long. Et je voulais vous poser un peu la question, quelles conditions pour la faire appliquer également? Parce que c'est bien joli, on veut ratifier, oui, d'accord, ok. Mais après, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'on fait appliquer? Comment on pèse sur les États pour effectivement qu'il y ait une réalité qui permette de faire avancer les droits des femmes? Juste pour information sur ce qu'est la Convention d'Istanbul, parce que nous, on en parle, parce que c'est un peu notre quotidien, mais en fait, la Convention d'Istanbul, c'est justement un texte qui lutte contre les violences faites aux femmes, notamment les violences sexistes et sexuelles, mais voilà, ça concerne les violences. C'est un texte contraignant, surtout. Voilà, c'est pour ça que, sans doute, il y a un certain nombre de pays qui tortillent un peu sur le côté contraignant de l'affaire. Bah, pour vous répondre assez directement, moi, je pense qu'il faut qu'on continue de batailler sur la question de la Convention d'Istanbul. C'est absolument évident. Je pense qu'on partage tout ça ici. Mais si ça ne fonctionne pas, il faut qu'on se donne d'autres moyens. Et qu'on se donne d'autres moyens, bah, c'est en train de voir le jour, puisque, enfin, depuis 10 ans, on attend un texte qui arrive de la Commission européenne pour justement s'attaquer à la question des violences faites aux femmes. Donc, d'une certaine manière, on contourne un dispositif qui est un peu encalminé en ayant une action législative propre de la part de l'Union européenne. Donc, ça ne veut pas dire que ça va se faire facilement, hein, parce que les obstacles qu'on rencontre à un endroit, on les rencontrera à un autre endroit. Mais bon, il y a la force des parlementaires, il y a la force de la représentation des citoyens, donc je pense que c'est quand même un bon moyen d'exploiter justement ce nouveau texte qui a vocation législative. Et puis, comme je fais ma petite conclusion, enfin,
parce que il y a un problème de temps, donc comme je ne reprendrai pas la parole, je drop deux autres choses aussi. S'il y a des perspectives à donner, je pense qu'il faut qu'on en donne avec, j'appelais les rôles modèles, alors, mais peu importe, ce n'est pas le bon mot, mais quand on a une directive maintenant qui fixe 40% de représentation des femmes dans les boards des grandes entreprises, je pense qu'il faut qu'on travaille maintenant à son application. Ce n'est pas complètement encore totalement bouclé parce que la discussion ne fait que commencer maintenant pour se mettre d'accord avec le Conseil, mais et les marges de progression, elles existent encore sur les écarts avec la représentation genrée. Et dernier élément, c'est, on n'en a pas parlé tout à l'heure, moi je pense qu'il faut qu'on agisse aussi au plan européen sur la question de l'égalité salariale. C'est inadmissible. Alors on en parle pareil une fois par an en France, voilà, 8 mars, on dit ah c'est pas normal, 16%, il y a 5%, c'est pas les expliquer, machin et tout. Ok, enfin, une fois qu'on a fait le constat, il faut qu'on avance. Et quand je vois là aussi qu'il y a un accord sur non seulement l'égalité salariale, mais la transparence sur l'égalité salariale, je trouve qu'on va dans le bon sens. Mais je le redis, hein, je suis pas naïve. Ce sont des combats de longue haleine sur lesquels il faudra qu'on soit tous réunis et qu'on soit vraiment concordants entre les associations, les citoyens et les parlementaires pour faire évoluer les choses. Voilà, je ne reprendrai pas la parole derrière. Merci beaucoup Sylvie Guillaume. À qui l'honneur ? Moi, je vais aussi être très brève. Sur la convention d'Istanbul, je rejoins ce qu'a dit Sylvie. Pour aller plus loin, il y a une agence dédiée qui s'appelle Grevio. Donc, quand un État veut ou va ratifier la convention d'Istanbul, il y a un audit avec un rapport, avec une position de l'ensemble de l'arsenal législatif de l'État membre et des notes qui lui permettent de se rendre compte que ben, finalement, il pourrait faire mieux et donc d'avoir accès sur les dispositifs législatifs mis en place dans d'autres pays pour y arriver. Et c'est pour ça qu'en fait le Conseil à l'égalité, ça serait une super idée parce que ça permettrait de se rendre compte que parfois la Convention d'Istanbul a été bloquée pour les raisons d'éducation, typiquement. Alors que il y a des pays qui ont mis en place ces modules d'éducation et ces pays peuvent témoigner du fait que ça se passe très très bien et qu'il n'y a pas eu brusquement un pays qui s'est transformé en quoi que ce soit d'autre que ce qu'il était avant, mais une société qui fonctionne mieux. Donc le fait d'avoir de l'échange sur l'information, c'est extrêmement important. L'autre chose, c'est quand même par rapport à l'Europe de la santé, on sort de cette crise Covid et là on rentre dans une crise guerre ukrainienne. Donc on s'est rendu compte que notre monde a changé depuis 2 ans et que les règles qui régissaient notre monde d'avant sont peut-être pas les règles qui vont nous aider pour le monde futur. Typiquement, on avait autour de la zone euro un mécanisme qui s'appelait le mécanisme de stabilité, qui était un machin bien financier. Et on s'est rendu compte que par rapport à une pandémie, ben, ce n'était pas le monde de la finance qui faisait qu'on résistait ou pas, c'est si on avait des systèmes sociaux et de santé qui fonctionnaient dans les pays. Donc, il est du domaine du possible qu'un certain nombre de cerveaux européens en ce moment se grattent la tête pour faire quelque chose qui sera pas avec un pas de temps aussi rapide que la directive contre les violences faites aux femmes, mais qui pourrait quand même arriver dans un horizon pas si lointain que ça, où il y a une réforme du parc de stabilité qui inclut les investissements dans le domaine de la santé comme étant des investissements qui ne font pas partie des fameux 3% de déficit budgétaire, mais au contraire des investissements qui solidifient une société. Et à partir du moment où on aura enclenché cette Europe de la santé avec un mécanisme bien robuste, je pense qu'on pourra avancer sur beaucoup, beaucoup de sujets. Et en tout cas, c'est dans cette direction-là qu'on travaille. Merci. Merci Irène Tolleret. Un petit mot bref, Gwendoline. Ouais, ben, ça a été dit, pour contourner Istanbul, il y a cette directive. Il y a aussi un travail qui se fait au niveau du Parlement pour que les violences fondées sur le genre deviennent un crime européen, ce qui nous permettrait d'avoir de la coopération policière et judiciaire
dessus. Police et justice en France coopèrent en Union européenne coopèrent de manière assez quotidienne et régulière. On s'en rend pas forcément compte, mais aujourd'hui, voilà. Donc ça serait un moyen. Il y a vraiment un gros travail à faire sur les égalités, les inégalités salariales, gros sujet, et beaucoup donc avec des obligations au niveau. On aimerait une directive au niveau européen, et puis après les États à faire attention et à lancer des programmes aussi sur la précarité, puisque les femmes en grande précarité. Voilà. Et puis effectivement, je redis qu'il y a aussi une prise de conscience vraiment importante à faire de manière générale dans cette Union européenne sur la question de celles qui subissent plus de discrimination que les autres, puisque moi j'ai quand même une grande inquiétude, et c'est vraiment, j'essaye toujours de rappeler ça, aujourd'hui qu'on ait aujourd'hui une égalité de fait qui s'installe assez fortement entre femmes blanches éduquées, entre hommes et femmes blancs, et voilà, femmes blanches éduquées, en exploitant en fait des femmes qui ne sont pas blanches et qui ne sont pas éduquées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de femmes qui réussissent à avoir un mode de vie égal aux hommes, un petit peu de manière la Wonder Woman qui travaille, etc. Ça s'appuie sur évidemment l'exploitation de femmes qui gardent les enfants, font le ménage, etc. Et il y a une image qui est assez frappante au Parlement européen, c'est que quand nous, on arrive le matin, les députées européennes, eh bien, les femmes de ménage partent. Ce sont que des femmes. Il doit y avoir un homme, voilà, à Strasbourg encore plus qu'à Bruxelles. Et elles sont beaucoup d'origine immigrée, clairement. Et ça, c'est toujours un peu surprenant quand on arrive en tant que députée européenne où on se dit il y a quelque chose là qui est un peu malaisant. Merci beaucoup. Un petit mot de la fin du côté des associations ou des actrices de terrain ou de la préfecture. J'ai trouvé l'ensemble de ces interventions et de ce débat très intéressant, très enrichissant. C'est vrai que nous qui sommes sur le terrain au quotidien, on a besoin aussi d'avoir ce temps de recul et ce regard avec une focale plus large sur ces sujets. Je vous en remercie. Merci à vous tous et toutes. Aux millions de personnes qui nous ont regardés ce soir en direct, effectivement. Merci pour l'organisation du Parlement européen via le bureau de Marseille. Merci aux participantes, merci au public et à la prochaine. Au revoir, merci beaucoup à vous.